Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne La Passion du Modélisme. Donc Denis, voilà donc bienvenue. On va commencer donc la première vidéo du diorama du Mikuma. Donc comme vous le voyez, donc j'ai déjà fait le socle. Donc c'est un socle en bois simple, hein, donc de plus ou moins 16 mm. Donc j'ai appliqué donc ici donc de la peinture noire pour tableau qu'on trouve assez facilement. C'est des pots d'acrylique, ça coûte pas très très cher. Donc que j'ai masqué, que j'ai mis sur tout le tour ici. J'ai également donc mis des patins adhésifs. Voilà, ça c'est pas obligatoire, mais enfin voilà, j'en ai mis. Enfin voilà, donc la première étape donc de ce diorama donc va consister, donc on va tout d'abord donc placer le bateau sur le socle. On va donc déterminer donc à l'endroit où le bateau va être sur le décor. Donc, moi là je pense que c'est pas mal. Et on va dessiner donc tout le pourtour. Il faut juste faire attention de ne pas essayer d'appuyer à un endroit, mais c'est pas évident de trouver un bon endroit. Surtout qu'il y a des marins un peu partout. Enfin voilà, donc je vais dessiner le pourtour. Bouger. Voilà. Donc on va retirer le bateau. Donc voilà, là on a la zone donc où va se poser donc le bateau. Enfin voilà. Donc la deuxième étape, donc on va dessiner donc les vagues, donc les vagues de l'eau. Donc je vais essayer de faire au mieux. Plus ou moins comme ça. Ah voilà, j'espère que vous voyez. Mais bon, dans la prochaine étape, ça va mieux se voir. Donc là, ça c'est plus ou moins comment, enfin l'empreinte. L'empreinte du bateau. Donc je vais ranger la maquette pour éviter de faire des catastrophes.
On n'a pas envie de casser la maquette alors qu'elle est complètement finie. Enfin voilà, donc troisième étape. Donc on va donc utiliser moi je vais utiliser de la pâte à fixe. Donc on peut utiliser également du blue tack, mais donc de la pâte à fixe ça fait l'affaire. Voilà. Donc, voilà, donc ça se présente comme ça. On va créer des petits boudins. Le blue tack c'est un peu plus facile à manipuler, mais le pâte à fixe ça fait le job. Je dois dire que cette technique là, je ne l'ai pas inventée. Donc c'est une technique que j'ai vue sur internet. Il y a d'autres méthodes. Je ne prétends pas que c'est la meilleure méthode, mais moi j'aimais bien cette méthode. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour celle-là. Voilà. Alors le principe, c'est qu'on va mettre ces boudins sur le socle. Il me semble encore un peu épais. Et comme c'est de la pâte à fixe, en même temps ça va coller au bois. Donc ça c'est assez facile à manipuler. Et si jamais ça ne va pas, on peut toujours les enlever pour rectifier par la suite. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura des gens qui ont déjà fait des dioramas marins, mais s'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait ce genre de diorama marin, s'ils ont des trucs ou astuces, je suis preneur aussi pour des astuces, hein. Je peux aussi apprendre des choses. Hein. Moi, c'est le premier diorama marin que je fais, donc voilà, je peux apprendre des choses, donc... Aussi, je n'apprends pas que des choses que j'invente rien en quelque sorte. Hein, Enfin voilà, donc je vais faire les boudins. Et ensuite, je vous reprends une fois que j'ai complètement fini de poser ces boudins. Enfin voilà, à tout de suite. Voilà les amis, ben voilà, donc j'ai terminé donc de poser la pâte à fixe. Donc voilà ce que ça donne les vagues une fois posées avec la pâte à fixe. Et donc je vais la retirer et voilà ce que ça donne en vrai avec les vagues. Donc c'est mon interprétation. Enfin voilà. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Donc je vais remettre la maquette à sa place. Parce que je pense qu'on n'en aura plus besoin pour cette vidéo. Et on va passer à l'étape suivante. Donc pour l'étape suivante, on va avoir besoin de colle à bois. Donc je vais vite me procurer ça et je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, j'ai pris la décision de rajouter des vagues. Donc j'en ai profité donc pour préparer la colle à bois. Donc on va avoir besoin d'un pinceau pour étaler la colle et on va également avoir besoin d'une feuille d'aluminium. Ça semble un peu bizarre, mais vous allez voir, franchement ça va super bien donner.
Alors donc la prochaine étape, donc, il va falloir donc appliquer de la colle à bois sur toute la surface. Donc sur toute la surface, oui. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà. Donc je vais quand même regarder pour voir si j'ai pas un pinceau quand même plus fin. Je pense que je vais utiliser celui-là parce qu'il y a quand même des recoins à passer. Ah, voilà, donc on va maintenant étaler la colle. Toute la surface, s'il faut, on en rajoutera. Si ça dépasse, c'est à la limite pas trop grave, vu que la colle à bois, quand elle sèche, devient transparente. Je vais en remettre. Il y a des endroits où il n'y en a pas assez. Alors, on va voir comme ça. Pas évident à étaler parce que la colle à bois c'est quand même une colle qui est assez épaisse. Il faudra penser à bien nettoyer le pinceau par après, ou alors carrément le jeter, ou employer un pinceau prévu à cet effet là, un pinceau que vous n'avez plus beaucoup besoin. Vous pouvez également, je pense, diluer la colle à bois avec de l'eau, mais pour vraiment avoir une bonne adhésion, je préfère quand même vous conseiller d'utiliser de la colle bois à bois pure, quoi, sans la diluer. Ici. Ici sur le bord parce qu'il en manque un petit peu. Voilà, donc la prochaine étape,
Donc je vous invite à retirer vos bagues et vos montres. Donc tout ce que vous avez sur les doigts. Parce qu'on va prendre donc la feuille d'aluminium. Et donc le but du jeu, c'est qu'on va donc siphonner la feuille d'alu. Ouais, désolé des bruits. C'est malheureusement nécessaire. Maintenant, une fois qu'elle est chiffonnée, donc on va prendre la feuille d'alu et on va la poser très délicatement. Si je vous ai demandé en fait de chiffonner la feuille d'alu, c'est pour une bonne raison. Donc à savoir, c'est ce qui va former nos vagues. Donc et maintenant, vous prenez un pinceau. Un pinceau quand même d'une bonne épaisseur et vous tapotez sur la plaque et en regardant en fait le blue tack ressort et c'est ce qui va former nos grosses vagues. Et c'est ce qui permet également, le pinceau permet également de bien aplanir la feuille d'alu sur la colle à bois. Là, par contre, il n'est pas assez chiffonné à mon goût. Voilà. Un petit peu de colle de doigt sur les mains, c'est pas grave. Voilà, et là vous voyez, la feuille d'alu a bien pris l'empreinte du socle. Alors maintenant ce qu'il faut faire, donc vous voyez là il y a quand même des bulles d'air qui se forment sur l'endroit où il y a le blue tack. Donc je vous invite donc à prendre un cutter et aux endroits où il y a les bulles d'air, donc les chasser en coupant tout simplement. Derrière quand même pas mal. Tout dans les gros creux là comme ça. Voilà. Et ensuite, donc on va prendre pas ce pinceau là je vais le jeter. C'est un que j'avais pris un vieux pinceau exprès pour ça. Pas de problème, je vais prendre un autre pinceau. Et en fait, on va venir tapoter pour chasser les bulles d'air. Et en fait, vous allez avoir la feuille d'aluminium qui va se plaquer contre le blue tack.
et comme il n'y aura plus de builder quoi. Peut-être prendre un pinceau avec des poils quand même qui sont un peu plus durs, comme celui-là. Si vous avez les coupures là, c'est pas grave. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, vous voyez, ça ressort. Hein. Encore une coupure. Voilà. On va peut-être pas prendre un pinceau Tamiya. Tamiya au prix qui coûte, ce serait quand même dommage de les user. Ici, on fait encore. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous voyez le bois. C'est normal. Vous voyez, ça se plaque vraiment bien une fois qu'on a chassé les bulles d'air. Hein. Écoutez, je pense que pour une première vidéo, on est arrivé quand même assez loin. Donc, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, donc, elle consistera, donc, il y aura pas mal de peinture. Donc, on peindra d'abord le socle. Et enfin, je vous montrerai ensuite ma technique pour peindre. Enfin, c'est mon interprétation, donc, mais c'est une technique parmi d'autres, quoi. C'est pas la meilleure, et en plus, il faut quand même un peu de temps pour que la colle sèche, pour que ça soit bien plaqué. Enfin voilà. On se retrouve, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour la prochaine vidéo du diorama. J'espère qu'elle arrivera quand même assez rapidement. Enfin voilà. À très bientôt, les amis.